Ça vous convient comme ça, cousin Hubert, c'est pas trop rapide. Vous n'allez pas être malade. Ouvrez les yeux, messire Godefroy. Vous allez vous accoutumer vite. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle Godefroy? C'était pas ton cousin Hubert? Ben Jean-Pierre est amnésique. Il l'appelle Godefroy comme il l'appellerait Henri ou Suzanne. Je comprends pas, mais qui est amnésique? Ton cousin Hubert ou l'autre putois là? Les deux Jean-Pierre. Un peu plus tolérant avec les gens malades. Oh, il pue des pieds, c'est une infection. On peut pas rester une minute de plus à l'intérieur. T'en prie. Oh, j'ai rien senti de particulier. Des bons champignons, messire. Pourquoi ce con l'appelle messire? Je n'en sais rien, Jean-Pierre. Je n'en sais rien. Ah, monsieur, oui, ça c'est pour demain. Ce soir, on a préparé du rose vif froid. Je vais rajouter une petite omelette salade, une minute soupe pour vous. Et si vous ne mourrez pas, je vais rajouter un fond de gratin de courgettes. Après, tout le monde prend une bonne douche et au lit. On commence plutôt par la douche, ma chérie, parce que, avec ce que nos amis ont enduré, ils rêvent sans doute de se dégraisser. Oui. Où sont vos gens? Ah. Venez par ici pour vous laver les mains. Viens voir. Mais quoi? Mon cousin, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes tout de même pas amnésique à ce point-là? C'est pas des amnésiques, c'est deux gouttes d'affiés, oui. Patonge dans la cuvette des chiottes. Il y a de l'eau, là. Du savon. Eau chaude. Eau froide. Ok? Merci, gentil dame. Gentil dame.